are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Et messieurs, bienvenue à votre randonnée musicale, bien sûr, qui entre en profondeur des chants qui font, bien sûr, la beauté de votre vie, qui embellissent également vos petits écrans. En ce jour, nous allons parler d'un album, voilà, un album qui fait grabuge sur la ville de Lubumbashi, mais aussi en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Il s'agit d'un concept également qui a gagné toute sa place, bien sûr, dans vos cœurs. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau, bien sûr, Monsieur Francis Kazadi. Il est coordonnateur ou président de l'orchestre Camp de Jésus-Christ, Orcajec en abrégé, bien sûr. Il est également chante de l'Éternel, adorateur du Seigneur. Il est avec moi sur ce plateau pour parler Oukola. Yes. Bonjour, Papa Cédric. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. On peut dire Oukola toujours? Oui, Oukola toujours. Donc, c'est toujours Oukola, encore et toujours. C'est devenu presque une salutation. Oui, Papa, c'est ça. C'est une salutation. Nous devons nous rappeler ces concepts-là à tout moment. Parce que c'est toute une vie. C'est notre raison d'exister. C'est ça, donc c'est la clé du ciel, c'est ça, donc c'est vraiment. Alors, très chers téléspectateurs, à la place de bonjour, vous pouvez carrément Oukola dire toujours. Oukola toujours. Oukola toujours. Ça passe pour le bien des enfants de Dieu. Alors, Oukola, c'est une chanson contenue dans un album qui porte le même titre. Oui, oui, Oukola, c'est la chanson, comme on l'a toujours dit, chanson phare de l'album. Donc c'est la chanson qui porte le nom de l'album. C'est aussi le message que nous avons à faire passer par cet album. Voilà, c'est un message puissant. Oui, vraiment un message puissant et perpétuel d'ailleurs. Vous voyez, au ciel, c'est un refrain éternel qui se chante. Donc, Oukola, durant toute notre vie sur la terre, c'est un message que nous devons perpétuer. Voilà, Oukola, de génération en génération. Bien sûr, de génération en génération, Oukola fera, bien sûr... son temps, fera le plaisir aux hommes et aussi à Dieu, bien sûr. Alors, c'est un album qui porte 6 titres. Oui. On peut en savoir la quintessence. Oui, oui, il y a 6 titres dans l'album. Il y a Kuna Kamawewe, il y a Nehema, il y a aussi Fiwe, il y a Parce que tu es là, il y a Yepo Njibwe, il y a même Oukola aussi qui... Yepo Njibwe, un titre que j'aime particulièrement. Oui, je comprends tes tendances, c'est tout à fait normal. le choix de la chanson dépend aussi du style que la personne désire. Eh ben, j'aime Yepo Njibwe justement par cette partition. La partition. Voilà. Tu vois, je suis un peu sidéré que tu dises que tu n'aimes que la partition alors que le message est très fort. J'aime tout, mais j'aime beaucoup non, non, plus. Non. Là, tu veux juste arranger et dire les choses d'une autre manière. Mais bien sûr. Le chant, au fait, ce n'est pas la mélodie, c'est beaucoup plus d'abord les paroles qui doivent nous intéresser, nous interpeller, parce que c'est ce qui nous édifie. La musique vient accompagner la parole que nous passons par le chant. Vous voyez? Et donc, moi, j'aime beaucoup cette chanson. Ce n'est pas à cause de la partition. De la piano. Partition. Non, c'est le flûte qui joue. Le flûte, voilà. J'aime beaucoup plus la chanson à cause de la profondeur du message que nous apportons. Alors, brièvement, parlez un peu de Djibwe. Djibwe, c'est le rocher. Comme vous le savez,
Et Jésus lui-même dit que toute maison qui n'est pas bâtie sur le roc, c'est une maison qui est vouée à la destruction. Quand la tempête vient, elle tombe. Quand la pluie vient, elle tombe. Donc, ce n'est pas une maison solide. Bien sûr. Et nous, notre solidité, nous l'avons quand nous nous sommes fondés sur Jésus, qui est le rocher de notre salut. Tu vois ? Quand notre foi se fonde sur Jésus, là, nous sommes solides. Quelle que soit la tempête, les vents, toute situation qui pourra s'élever contre nous, nous ne tombons pas, nous ne chancelons pas, nous ne sommes pas ébranlés parce que nous sommes sur le rocher le plus solide qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel mariage faites-vous entre un Dieu saint et un Dieu rocher? Ouais, voilà, donc c'est ce qui... La sainteté elle-même, c'est quoi? C'est la différence, tu vois? Quand on parle du rocher, Jésus est ce rocher qui est inébranlable, un rocher qu'on ne peut pas détruire par quoi que ce soit. Donc c'est ce qui fasse que Jésus soit saint, que ça soit un rocher saint, parce que c'est un rocher différent de tous les autres rochers, vous voyez? Donc la sanctification, c'est juste la différence. Jésus est différent, c'est ce rocher qui est différent de tous les rochers qui puissent exister, parce que c'est lui-même le créateur de ces rochers que nous admirons, si solide, si dur soit-il, mais lui, il est le rocher par excellence. Alors vous tirez où ces messages? Le tirer où? Ouais. Non, nous le tirons de la Bible, papa. C'est la Bible qui nous parle de Jésus-Christ qui est le rocher. Et la Bible dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle. Donc cette pierre, c'est Jésus. Jésus, c'est cette pierre qui est tombée de la montagne sans le secours d'une seule main. Jésus, c'est cette pierre qui est tombée pour venir faire tomber la gloire, l'orgueil du roi Nebuchadnezzar qui s'était fait cette statue qui représentait Babylone la Grande. Donc c'est Jésus qui est ce rocher qui nous donnait de l'eau dans le désert, le rocher de Meriba, c'est Jésus. Jésus, c'est le rocher ou c'est la pierre que David a utilisée pour terrasser les grands Goliaths. Donc, vous avez besoin de la victoire, vous avez besoin d'être stable dans votre vie à tous les domaines, d'être fort, équilibré, appuyez-vous sur Jésus qui est le rocher. Il y a également le message de la grâce. Naturellement dans cet album. Oui, voilà. La grâce, j'aime beaucoup la grâce de Dieu. Vous voyez? J'aime beaucoup la grâce de Dieu. D'abord, déjà, la Bible dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Alors que le salut passe par la sanctification. Oui, voilà. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, vous voyez. Et cette grâce dont on parle là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la grâce incarnée. Voilà pourquoi il dit qu'il est venu inaugurer une année de grâce. Il est venu changer le système. Avant, c'était la loi. Si tu ne respectes pas la loi, il n'y a pas de salut. Mais maintenant, Jésus vient nous donner la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi, comme on le dit dans la Bible, vous voyez. Et donc la grâce, c'est cette faveur imméritée. La grâce, c'est cette bonté que Dieu nous donne, qui nous permet de nous sauver, qui nous donne la force de marcher dans la sanctification, de craindre Dieu, d'aimer Dieu, de le servir dans la vérité. Voilà, donc Néma ou la grâce, oui. Djiboué le rocher, oui. Ukola la sainteté, oui. Votre titre Hakuna kama wewe. Il n'y a point comme toi. Je vous ai expliqué, donc je t'ai expliqué d'entrée des jeux que la sanctification signifiait tout simplement la différence. Tu vois? Et Jésus. La mise à part. La mise à part, vous voyez. Jésus est différent, il est différent de nous en tout. Parce que tout ce qui existe sur cette terre tient l'émanation de Dieu, tu vois. Donc exactement. Dieu est différent et il n'y a pas moyen de le comparer avec quoi que ce soit parce que nous venons de lui, nous découlons de lui. Voilà, très chers téléspectateurs, nous vous épargnons des explications d'autres titres. Il en restait deux, bien sûr. Il y a aussi Fioué. Aussi Fioué. Oui, il y a parce que tu es là parce aussi. Parce que tu es là, voilà. Parce qu'il est là, c'est ainsi que les peuples sont en train de courir vers lui, vers la sanctification que l'on recherche par tous et de tous. Alors, nous allons parler de Ukola, pas simplement comme un album. Vous avez fait que ce mot soit gravé dans les cœurs des hommes, soit gravé dans les vies humaines,
et que ça soit exactement une vie. Oui. Comment Oukola peut devenir une vie pour quelqu'un qui chante justement cette chanson? Oui, au fait, déjà notre message du départ, nous devons comprendre celui que nous servons. Il dit, soyez saints car moi, votre Dieu, je suis saint. Tu vois? Et si tu t'aimais à le servir, il faut rechercher la sanctification. Tu vois? Et lui-même, il nous dit par l'apôtre Paul, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui, quelle est la volonté de Dieu, si ce n'est ce qui est bon et agréable. Et déjà, la volonté de Dieu, c'est voir que tout le monde se sanctifie. Chaque fois dans la Bible, quand vous entrez, vous lisez la Bible, vous allez voir que chaque fois que Dieu voulait rencontrer son peuple qui est Israël, il demandait à ce que le peuple se sanctifie d'abord, que le peuple se mette à part, que le peuple se sépare du péché. Il n'y a pas moyen d'entrer en communion avec le Seigneur quand on vit dans le péché. Exactement. Vous voyez? Il n'y a pas moyen de prier et de trouver exaucement auprès de Dieu quand on vit dans le péché. Il n'y a pas moyen d'adorer Dieu et que notre adoration, notre louange soit agréable à Dieu quand on vit dans le péché. Dieu est saint et il veut que tout ce qu'on lui donne, tout ce que l'on lui offre, soit saint. Vous voyez? Pour que ça trouve agrément de sa part. Parce que nous sommes au service de Dieu. Nous servons Dieu. Nous sommes en train de le servir. Et pour bien le servir, il faut que lui agrée le sacerdoce ou les services que nous lui donnons. Et pour qu'il agrée, la condition, c'est être saint. Donc, nous devons nous sanctifier. Dieu qui sanctifie. Pardon? C'est Dieu qui sanctifie ou c'est l'homme qui se sanctifie? Dieu nous sanctifie et nous-mêmes aussi, nous nous sanctifions. Je veux te dire une chose. Dans Pierre, il est dit que ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent point. Wow. Ils se gardent eux-mêmes. Tu comprends ça? Mm-hmm. Ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent point et ils se gardent eux-mêmes. Tu comprends? Il y a la dimension divine de la grâce de Dieu. Dieu déjà, par sa grâce, il nous donne ce sentiment-là de le craindre, de le servir dans la sanctification. Mais toi aussi, tu as un effort à faire, frère. Exactement. Tu as un combat à mener tous les jours. C'est le combat de se sanctifier, de se garder pur pour le Seigneur. C'est aussi une adoration, une offrande que tu offres à Dieu. Tu vois? Ce n'est pas que on en a un maï, banakuna wisha, ou ne ou le nenda ton et tout pas mboulong, ou assez bataille na wisha ten. Non, quand même, c'est pas normal, vous voyez? Mm-hmm. Donc, on t'a lavé, on t'a mis dans un état de propriété, garde aussi cet état-là. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Chaque jour, chaque minute, chaque instant, que nous veillons à ce que nous ne puissions pas tomber. Quand il nous arrive de broncher, vite, vite que l'on se relève pour nous recadrer et retrouver la communion, avec, la communion avec le Seigneur. Au travers de la répentance. Au travers de la répentance, oui. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, Oukola n'est pas simplement un album, n'est pas simplement ce chant que nous pouvons chanter, bien sûr, à notre plaisir, mais c'est également une vie que l'on doit mener et par l'aide du Saint-Esprit, exactement. Oui, papa, il n'y a pas moyen de vivre la vie de la sanctification sans le Saint-Esprit. Parce que la Bible elle-même dit que l'Esprit de Dieu, quand il vient pour nous convaincre en ce qui concerne le péché. Mm-hmm. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne un train de vie différent du train de ce monde. Mm-hmm. Parce que lui nous enseigne la volonté de Dieu, nous montre ce que Dieu veut de nous. Vous voyez? J'ai dit que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est le système actuel du monde. C'est la manière dont le monde conçoit la vie. Ce qui est autre que la conception de Dieu de la vie. Vous voyez? C'est ça le train de ce monde. Vous voyez? Ça veut dire le rythme, la mode. Est-ce qu'un chrétien est accro à la mode? Vous voyez? Est-ce que le train de ce monde peut être la réalité professionnelle? Tu vois? Pour se faire embaucher, par exemple, il faudra passer par des mécanismes qui n'honorent pas Dieu. Mm-hmm. Pour avoir une promotion au travail, il faut adorer le dieu de Babylone, tu vois, du travail. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on doit signer des pactes ou entrer dans les sectes. Tu vois, ça n'honore pas Dieu. Exactement. Mais tu vois, alors c'est le train de ce monde. Mais quand Dieu nous appelle, nous,
à vivre, il nous appelle de nous passer de toutes ces choses, à ne compter que sur lui. Ne pas accepter d'adorer les dieux babyloniens, accepter de périr pour la cause du royaume. Tu vois, papa? Donc, c'est vraiment ce que nous devons comprendre. Le Saint-Esprit vient nous donner cette capacité. Quand on est au travail, on nous propose des choses qui n'honorent pas Dieu pour qu'on gagne. On recourt à Dieu, on recourt au Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne l'apaisement. Il nous dit, ça, ce sont les choses du monde qui vont passer. Et il n'y a que moi qui peux vous rendre capable. Voilà, très chers téléspectateurs, au-delà du chant que vous regardez à la télévision, au-delà de ces belles mélodies qui résonnent dans vos cœurs au travers de la radio, il y a toute une vie à mener, bien sûr, au regard de ce chant, bien sûr, au regard du message que recouvre, bien sûr, ce chant. Il y a également quelque chose à attacher à ce chant qui est une identité. Oui. Paul nous appelle saint. Oui. Quand il écrit, par exemple, aux Philippiens, quand oui. il écrit aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, il les appelle saints. Oui. C'est une identité que vous défendez également dans ce titre, Oukola. Oui, oui, c'est notre identité, papa. Et qui est saint? Pardon? Et qui est saint? Pardon? Qui est saint? Selon l'appellation de Paul. Bon, quand Paul dit, il appelle ses frères, il les appelle saints, ce sont des gens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont accepté de marcher en nouveauté de vie. Tu vois? Et ils s'identifient par rapport à eux. D'ailleurs, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Vous voyez? Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et lui-même nous dit que, ayez pour modèle vos pères dans la foi. Imitez leur foi, imitez leur manière de marcher et servez le Seigneur ainsi, tu vois. Et lui, Paul, qui a abandonné le monde, qui s'est séparé du monde, qui a donné sa vie pour vivre dans la sanctification, pour honorer Dieu par sa vie, il appelle ses frères qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils appellent aussi saints. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont accepté de se séparer du monde, de mener la vie telle que Dieu leur demande de la mener. Tu vois, ce sont ceux-là qui l'appellent saint. C'est comme ça que nous appelons aussi saints. Nous sommes saints parce que Christ nous a sanctifiés par sa mort. Christ nous a sauvés par sa mort. Et nous vivons cette fois-là en nouveauté de vie. C'est comme ça que nous appelons saints. Mais la sanctification, c'est un travail de tous les jours, de tout le moment. Donc, notre combat ne sera achevé que quand nous mourrons dans le Seigneur, nous mourrons tout en étant saint. Là, vous êtes en train d'introduire déjà un autre aspect de Oukola qui est une devise. Oui. Qui est comme je dirais, un objectif de vie. Oui, Oukola, quand je dis... Un but pour lequel on vit. Oui, quand je dis Oukola, toujours, c'est toute une vie, papa. Donc, en tout moment, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, à toute occasion, soyons toujours saints. Voilà, en toutes circonstances, anywhere, anytime, any. Merci, papa. We must. L'anglais, il est moins compliqué. Donc, voilà, anytime, every moment, we must be holy. Holy. Yes. Holy. Voilà, à chaque instant, nous devons être saints. Nous n'avons pas beaucoup de temps dans cette émission Fond Musical Très Cher. Nous allons vous accorder la parole, bien oui. sûr. Nous allons vous accorder la parole afin que vous puissiez lancer un message tout à fait particulier. C'est que vous n'avez jamais dit nulle part ailleurs, que ce soit dans une émission, que ce soit dans une célébration, que ce soit où, bien sûr, un message particulier qui peut toucher le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Donc, mon message, c'est que Maranatha, Jésus revient bientôt. Donc, parce que Jésus revient bientôt, sanctifions-nous pour recevoir ou pour être enlevés et aller dans ce repos éternel que Dieu nous réserve. Après cette vie que nous menons, il y a une autre vie. La vie présente, elle est limitée. Elle a un début, elle a une fin. Mais la vie qui vient après celle-ci, c'est une vie éternelle. C'est toute une éternité. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Donc, à toi de définir ton éternité maintenant. Et si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur,
tu acceptes de marcher avec lui, ton éternité sera dans la joie, dans la paix, dans la quiétude éternelle. Mais si tu refuses cet appel, cette offre que Dieu te donne, c'est les tourments éternels, c'est la souffrance éternelle, ce sont des pleurs et des grincements dedans, toute une éternité. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu souffres, demain tes conditions peuvent changer. Aujourd'hui tu souffres, demain tu peux mourir, la souffrance peut s'arrêter. Mais la souffrance qui t'attend si tu ne reçois pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une souffrance éternelle. C'est une souffrance qui ne te tuera pas, c'est une souffrance qui ne te détruira pas. C'est une souffrance qui sera avec toi tout le jour. Mais si tu le reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, c'est pour que tu vives éternellement dans la paix, dans la joie, dans la quiétude que tu n'as jamais eue peut-être aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Tout ce qu'il veut, il veut te sauver. Viens à lui pour que tu aies la vie éternelle. Merci très chers téléspectateurs, nous avons parlé de l'album, ou plutôt de Ukola en tant qu'album, en tant que vie, en tant qu'identité, mais aussi une célébration, comme vous l'avez vécu les jours passés, bien sûr, célébration Ukola, mais aussi comme un slogan, mais aussi bien comme une devise de vie. Nous allons finir bien sûr en musique et je préfère que vous fassiez quelque chose de Ukola avant que la régie nous propose un titre au choix bien sûr, au choix que nous laissons à Roli Tshibanda bien sûr, la mobilité. Bon, je ne saurais pas bien, vraiment très bien chanter, j'ai très froid, je grelotte de l'intérieur d'ailleurs. Je vous ai demandé qu'on nous allume des chaufferettes, mais c'était difficile. Je vais essayer quand même de faire quelque chose. Je vais t'accompagner, bien sûr. Hakuna kama wewe, eh Baba, Hakuna kama wewe. Alléluia, Yesu usifiwe, eh Bwana, Hakuna kama wewe. Wewe ni mumbaji. Na sisi ni viumbe, vyombo mikononi mwako, hakuna kama wewe. Que Dieu vous bénisse. Hakuna kama wewe, hey Baba, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, hey Baba, hakuna kama wewe. Kwa neno lako, sisi kwa mfano wako. Hakuna kama wewe.